Pas de problème. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire avec Lydia Couture, qui va nous présenter donc le programme d'analyse longitudinale de l'emploi T2, qui est présentement disponible sous forme de projet pilote. Hein. En fait, l'appel de proposition est encore en cours, mais éventuellement, il sera ouvert à tous dans un très court horizon de temps, j'espère. Alors, mon nom est Sarah Fortin, je suis coordonnatrice au transfert des connaissances pour le Réseau canadien des centres de données de recherche. Le webinaire d'aujourd'hui est organisé en collaboration avec le CIQSS, de sorte que nous avons des gens ici même sur place à Montréal dans les bureaux du SIX, mais également en ligne pour entendre la présentation par webinaire. Avant de présenter notre conférencière, je vais prendre juste quelques instants pour vous présenter brièvement le Réseau canadien des centres de données de recherche, le RCCDR. Pour ceux d'entre vous qui ne sont peut-être pas encore vraiment familiers, merci, avec donc notre organisation. Comme on peut le voir sur la carte, le réseau est une infrastructure de recherche vraiment pan-canadienne, en fait, qui est maintenant reconnue comme une initiative scientifique majeure par la Fondation canadienne de l'innovation. On compte 30 installations maintenant à travers le pays, dont les installations du CQSS au Québec, qui est présent donc à l'Université de Montréal, à McGill, à Sherbrooke, à l'Université Laval ainsi qu'à l'UQAM. Alors, les centres de données de recherche sont des laboratoires informatiques sécurisés qui permettent aux chercheurs ayant un projet de recherche approuvé d'utiliser donc les microdonnées détaillées que collecte Statistique Canada, y compris les recensements, bien sûr, les enquêtes longitudinales, et de plus en plus les données administratives, comme la présentation d'aujourd'hui nous le suggère. Les chercheurs qui utilisent nos données pour étudier des questions socio-économiques de première importance, telles que, par exemple, l'intégration des nouveaux arrivants, le vieillissement de la population, la participation au marché du travail, bientôt la dynamique des entreprises, le revenu, la santé et la famille. Alors, plus de 4000 chercheurs de diverses disciplines ont utilisé le réseau depuis 15 ans, dont le tiers d'entre eux sont des étudiants de deuxième et troisième cycle. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter notre site web. L'adresse est affichée ici, ainsi que celui du CQSS. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre formatrice d'aujourd'hui, Lydia Couture, qui travaille au sein de la fonction publique fédérale une belle erreur là, fonction publique fédérale canadienne depuis plus d'une décennie. Elle est présentement ou actuellement gestionnaire de programme pour le Centre canadien d'élaboration de données et de recherche économique à Statistique Canada. Avant de se joindre à Statistique Canada, elle a travaillé en tant qu'économiste au bureau de l'économiste en chef d'affaires mondiales Canada. Et donc, depuis 2011, elle s'est jointe à la division de l'analyse économique et travailler au développement de cette base de microdonnées sur les entreprises. Et elle s'intéresse en particulier au commerce international, la délocalisation des entreprises ainsi qu'à la dynamique au sein des entreprises. Sa présentation durera environ 45 minutes, après quoi nous prendrons vos questions. Nous vous demandons de les écrire. Donc, pour ce faire, comme vous le voyez sur la diapo ici, vous cliquez sur « Pour ouvrir votre panneau de contrôle » et ensuite, vous allez voir une section où vous pouvez écrire vos questions. Vous pouvez les écrire au cours de la présentation, mais je ne les lirai pour vous qu'après que Lydia aura terminé. En terminant, j'aimerais remercier, prendre la prochaine diapo, s'il vous plaît, nos principaux partenaires sans qui on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Alors, ce sont les universités hautes d'un centre ou d'une antenne, bien sûr, Statistique Canada, ainsi que le CRSH, la Fondation canadienne pour l'innovation et les instituts de recherche en santé du Canada. Alors voilà, sans plus tarder, merci Lydia d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui, puis je te cède maintenant la parole. Donc, merci pour la présentation, puis merci de me recevoir aujourd'hui et d'avoir tout organisé ça pour nous.
On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Je pense que la plupart des gens ici connaissent déjà les centres de recherche à travers le Canada qui ont été décrits. Donc, comme vous savez probablement, Statistique Canada a pour mandat de produire des statistiques qui permettent aux Canadiens de mieux comprendre leur pays. Donc, c'est vraiment généraliste comme description. Dans le domaine des statistiques sociales, StatCan a déjà aidé à mettre sur pied les centres de données de recherche, donc les CDR. Présent, moi j'ai 29 universités, mais je pense qu'il y a 30, on a dit, donc, 30 CDR, 30 unités, oui. Et donc, ça fournit un soutien professionnel qui est requis pour l'exécution de travaux en conformité sur la loi sur la statistique. De la même manière, le CEDR, ou le Centre canadien d'élaboration de données de recherche économique, a été créé pour permettre à Statistique Canada de mieux utiliser ses fonds de micro-données d'entreprise sans en compromettre la sécurité. Donc, qu'est-ce que c'est le CEDR? Ça a été établi en 2011, donc c'est assez récent encore, on peut dire. C'est au Bureau central de Statistique Canada pour offrir un accès, comme j'ai dit, qui est sécurisé pour les micro-données d'entreprise pour des projets à nature analytique. Donc, institutions desservies, on a environ 30 institutions académiques canadiennes et étrangères. Donc, on parle de différents chercheurs qui proviennent de différentes universités qui viennent à notre centre, ainsi que 16, en fait, je pense que c'est plus maintenant, là, agences et ministères fédéraux, gouvernements provinciaux ou encore organismes à but non lucratif. Donc, les gens qui viennent pour travailler au centre, c'est vraiment une plateforme diversifiée. On a vraiment des gens qui viennent d'un peu partout. On peut voir ici, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs là, dans la salle. Donc, il y a vraiment une progression depuis que ça a ouvert. On voit vraiment qu'il y a un intérêt pour faire la recherche avec les micro-données d'entreprise. Donc, je n'ai pas les données pour l'année 2017-2018, ça finit demain. Alors, j'ai des données préliminaires ici, mais on voit vraiment qu'il y a une augmentation en termes du nombre de projets et du nombre de chercheurs aussi qui viennent dans notre centre de recherche. Évidemment, le but, c'est d'augmenter ça le plus possible. Qu'est-ce qu'on fait aussi, nous, au CEDR? Donc, évidemment, on fournit aux analystes un accès aux micro-données d'entreprise pour des projets qui s'inscrivent dans le mandat de Statistique Canada. S'inscrire dans le mandat de Statistique Canada, ça veut simplement dire que c'est vraiment un projet qui est vraiment utile pour tous. Donc, on ne veut pas avoir un projet qui est vraiment fait à la solde d'une entreprise en particulier, par exemple. C'est vraiment généralement tout ce que ça veut dire, tout ce que ça implique. On sert de dépôt pour les micro-données confidentielles en ce qui a trait aux entreprises. On dirige aussi l'élaboration de nouvelles micro-entreprises. Donc, non seulement on offre l'accès, mais on fait aussi beaucoup de développement de micro-données nous-mêmes à l'intérieur du centre. Et finalement, on offre des services de conseil en matière d'analyse et de services de soutien aux utilisateurs. Donc, les gens qui viennent dans notre centre travaillent étroitement avec nos analystes pour bien comprendre les données, pour en faire la vérification. Et puis, on fait aussi des services de conseil. Je dirais, c'est vraiment s'il y a des chercheurs qui ne peuvent pas venir, on peut faire la recherche pour eux. On a de la capacité aussi pour faire la recherche. Donc, comme je disais, on a vraiment un accès sécuritaire. Pourquoi est-ce que les données d'entreprise sont si spéciales? Pourquoi est-ce que ce n'est pas dans les centres de recherche encore? Pourquoi c'est au CEDR? Contrairement aux données sociales, les unités des données d'entreprise sont facilement identifiables, même si on enlève les identifiants, donc même s'il n'y a pas le nom de l'entreprise, par exemple. C'est assez simple quand on y pense, là, c'est assez simple. On peut penser que la distribution des entreprises est vraiment asymétrique. Donc, il y a vraiment des très grosses compagnies, des très grosses entreprises au Canada comme dans d'autres pays qui sont vraiment plus faciles de les identifier. Et puis, en plus, quand on regarde aussi à quel point c'est dispersé en termes d'industrie et de géographie, il peut être encore plus facile avec peu d'informations d'identifier une entreprise. Par exemple, si quelqu'un voulait regarder l'information sur une entreprise de la région de Montréal dans le secteur de l'aéronautique ou l'aérospatiale, c'est très facile pour quelqu'un de mettre un nom facilement sur cette compagnie-là. Donc, c'est pour ça un peu qu'on voit que les données d'entreprise sont un peu plus sensibles, si on veut. Une autre raison, c'est qu'il y a des incitatifs financiers aussi qui sont plus grands pour identifier les renseignements d'entreprise et comment ils pourraient être utilisés. Donc oui, c'est aussi possible non seulement d'identifier des entreprises, mais probablement que quelqu'un pourrait aussi identifier une personne dans une base de données sociales. La différence avec les données d'entreprise, c'est qu'est-ce que la personne pourrait faire avec cette information-là. Les informations d'entreprise pourraient être utilisées, par exemple, pour leurs propres incitatifs financiers, pour jouer, acheter des actions, ou encore, on peut penser que dans certains cas, certaines personnes pourraient être intéressées à avoir des données sur les entreprises parce qu'ils ont des actions ou certains intérêts dans d'autres compagnies, ils veulent voir les stratégies des compétiteurs, par exemple. Donc, pour toutes ces raisons-là, les données d'entreprise, jusqu'à maintenant, sont disponibles seulement à Statistique Canada, dans notre centre qui est sécurisé.
On a des limites qui sont mises dans notre centre de recherche qui sont différentes un peu de celles qui sont dans les centres de recherche au Canada. On met des limites sur le nombre de tabulations, donc on essaie de garder au minimum les statistiques agrégées sur les microdonnées. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment des projets qu'on veut focusser sur la recherche analytique. On fait aussi une vérification centralisée en collaboration avec ce qu'on appelle nos divisions de sujet-matière. Ça, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est à la fin d'un projet, tout comme dans les centres de recherche, on doit faire des vérifications sur les résultats pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucune information qui peut être confidentielle, qui peut révéler l'identité, d'une unité, d'une entreprise, d'une personne. Les divisions sujet-matière, par exemple, si quelqu'un vient utiliser une enquête qui a été produite par une autre division à Statistique Canada, nos vérifications de confidentialité vont être faites en collaboration avec ces divisions-là. On fait un contrôle et une surveillance de tous les logs de programme. Donc, si quelqu'un effectue son analyse avec Stata, par exemple, on conserve tous les logs qui sont générés par cette personne. Non seulement les logs que la personne sauvegarde, mais tous les logs qui sont effectués. S'il y a une erreur que la personne arrête, nous, on les a tous et il y a une certaine surveillance qui est effectuée aussi avec ça. Finalement, ça, c'est probablement la plus grosse différence, en fait, avec les centres de recherche. L'accès au CEDRE pour les données se fait à travers une interface qui a été montée par Statistique Canada. Donc, même quand ils viennent au centre de recherche, les chercheurs ne peuvent pas voir les vraies observations ou les vraies données. On leur donne des données synthétiques qu'on pourrait appeler simplistes, c'est vraiment de fausses données, si vous voulez, qui sont fournies pour aider les gens à préparer leur programme, à comprendre la structure de la base de données. Donc, c'est vraiment la même structure. Par contre, ce n'est pas les vraies informations. Donc, les gens peuvent vraiment voir cette base de données-là, monter leur programme, tester leur programme avec les bases de données synthétiques. Mais après, c'est vraiment à l'aide d'autres moyens où est-ce qu'ils peuvent lancer, c'est automatique, là, ils n'ont pas besoin d'intervention, si tout va bien, de nos analystes. Mais les gens peuvent créer leur programme, tester sur les fausses données, les données synthétiques. Puis après ça, ils peuvent envoyer les données pour que le programme soit roulé sur les données réelles et puis ils reçoivent les résultats en temps réel automatiquement. Donc, ce qu'on fait, évidemment, le but, c'est toujours d'ouvrir les données, de les rendre disponibles, parce qu'il y a vraiment un grand potentiel qui est inutilisé en termes de micro-données. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec tout ce qu'on a à Statistique Canada, évidemment. Donc, on fait un travail continu pour améliorer l'accès. Des fois, ça peut être très simple. Par exemple, la documentation des bases de données. C'est très dur pour les gens s'ils ne savent pas qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est disponible, de même pouvoir y accéder parce qu'ils savent même pas qu'est-ce qu'ils peuvent demander. Donc, on fait un fort travail en ce moment pour bien documenter nos bases de données, pour essayer ensuite de les mettre sur notre site Internet pour que les gens puissent voir les variables, les bases de données qui sont là, qui peuvent être utilisées. On fait aussi beaucoup d'actions suite aux commentaires des utilisateurs. Donc, on prend tout le feedback, comme on dit en bon français, qu'on reçoit, puis on essaie vraiment de s'améliorer avec ça de manière continue. Le programme prend de l'ampleur, donc on a de plus en plus de recherches. Par contre, on sait qu'il y a encore un intérêt assez grand, puis qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas capables de venir et d'utiliser nos données parce que le coût pour venir jusqu'à Ottawa, c'est vraiment un obstacle important à l'accès aux données. Un étudiant, par exemple, qui vient de l'Université de la Colombie-Britannique, difficilement peut prendre un voyage, réserver un endroit où loger pour venir faire son projet à Statistique Canada. Donc, c'est vraiment un frein à l'accès qu'on veut essayer d'y remédier en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on est rendu dans notre travail. Alors, on crée des nouvelles données synthétiques. On a fait un appel de proposition, comme il a été mentionné en introduction. Donc, ce qu'on a fait au cours de la dernière année, on a développé des données synthétiques plus sophistiquées pour faciliter l'accès à l'extérieur du bureau central de Statistique Canada. Donc, ce avec quoi on a commencé, c'est la base de données synthétiques d'entreprise longitudinale. Ça se veut une version complètement synthétique du fichier qui s'appelle le Programme d'analyse longitudinale de l'emploi, ou le PAL, de 2009 à 2015. Ça, c'est un fichier qui inclut toutes les entreprises avec des employés au Canada. Donc, c'est vraiment un univers assez grand. Et puis, nous avons annoncé un appel de proposition cet hiver pour l'utilisation de cette base de données-là dans les centres de recherche. Donc, la base de données PAL,
qu'est-ce qu'il y a? Comme j'ai dit, c'est tous les employeurs au Canada. Alors, les sources de données, c'est les T4, donc tout ce que vous et moi, on remplit en faisant nos impôts. Donc, ça nous donne qui sont les travailleurs. Le RE, c'est le registre des entreprises, le Statistique Canada. C'est vraiment créé par Statistique Canada pour vraiment comprendre toute la structure des entreprises et quelles sont les entreprises au pays. Le EERH, en français, c'est l'enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées, je crois. Alors, c'est aussi utilisé dans la création de cette base de données-là. Et donc, les variables qu'on peut obtenir, c'est des variables sur l'emploi, le nombre d'employés par entreprise, sur la paye, c'est quoi le nombre total de rémunération qui a été payé par l'entreprise dans une année, la première et dernière année de l'entreprise, donc on peut voir les entrées et les sorties, l'industrie et la province aussi de cette entreprise-là. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'on fait un suivi de la main-d'œuvre pour créer une structure longitudinale dans l'entreprise. Une manière très simpliste de l'expliquer, c'est parfois il y a des changements administratifs dans une entreprise qui fait que dans une base de données administrative, on peut avoir l'impression que l'entreprise est décédée puis qu'il y a une nouvelle entreprise une année suivante, un changement de nom, par exemple. Donc, ce qu'on fait, c'est comme on a les T4, on peut suivre les employés au sein d'une entreprise. Quand on voit que l'entreprise décède puis qu'il y a une autre entreprise qui a tous les mêmes employés ou 90% des employés dans la même industrie, on peut faire des reconnexions à ce moment-là puis s'assurer qu'on a une base de données qui est longitudinale. On utilise la base de données pour publier des données annuelles sur les entrées et sorties d'entreprise et la création ou la destruction d'emplois. Ça, c'est des données qui sont déjà présentes sur Canesim, des données agrégées, évidemment. Donc, maintenant, plus précisément, les données synthétiques qu'on a créées au cours de la dernière année. La méthodologie. Donc, on n'a rien réinventé. On a vraiment travaillé en collaboration avec le US Census Bureau, en collaboration aussi avec la direction de la méthodologie Statistique Canada, qui sont des spécialistes de méthodologie, Cornell University, le Partenariat sur la productivité et le HEC. Donc, c'est vraiment un travail qui a été fait en collaboration avec tous ces partenaires-là pour être capable d'arriver à ce résultat-là. Donc, on a vraiment pris une approche qui est déjà utilisée aux États-Unis, qui a aussi été testée. Ils ont essayé d'amener ce même type de méthodologie en Allemagne aussi, par exemple. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est que toutes les variables sont modélisées pour ensuite être simulées par industrie. Il n'y a aucun risque de réidentification directe parce que toutes les observations sont simulées. Donc, il n'y a vraiment rien de réel dans la base de données synthétique. Par contre, la manière que c'est fait, les données synthétiques peuvent être utilisées pour produire des agrégats détaillés qui sont semblables aux originaux, ce qui inclut aussi ce qu'on appelle confidentiel. Ce que ça veut dire, c'est oui, les données sont synthétiques, mais la manière que c'est fait, c'est que c'est tellement proche, tout en gardant tout confidentiel, des données réelles, que ça peut quand même donner des résultats en termes d'agrégats, de totaux qui sont très similaires aux données réelles. Donc, on crée les données synthétiques en remplaçant les données réelles avec des sélections de modèles ajustés aux données d'origine. C'est une stratégie qui se rapproche à l'imputation multiple. Il y en a peut-être qui vont se poser la question. J'ai déjà dit qu'à Ottawa, les gens utilisent des données synthétiques plus simplistes. Puis là, on a dit pourquoi se casser la tête à faire toute cette méthodologie-là. À Ottawa, ça peut être, c'est quand même simpliste. On veut juste vraiment masquer les données. Le problème, c'est ça peut vraiment donner une mauvaise idée de ce qui se trouve dans la base de données. Donc, c'est les gens qui viennent à Ottawa peuvent interagir avec les gens sur place qui connaissent la base de données réelle, qui ont accès à la base de données réelle. En envoyant les bases de données dans les centres de recherche où il n'y a peut-être pas un analyste de notre division présent sur place pour aider s'il y a des questions sur la base de données, ça prend quelque chose ou une base de données qui est beaucoup plus proche, qui a le même, en anglais on dit le même feeling, si vous voulez, quand on travaille avec, que la base de données réelle, pour que les gens soient capables de monter leurs données, monter leurs programmes et leur analyse à l'aide de cette base de données-là. On a fait quelques tests de validité sur la base de données, parce que comme j'ai dit, on veut que ça soit similaire à ce qu'on retrouve dans les vraies données. Donc, par exemple, ici, c'est vraiment simple, c'est les taux d'entrée dans une certaine industrie des années 90 aux années 2000. Donc, on voit que la ligne bleue, c'est les données originales, la ligne rouge, c'est les données synthétiques. Donc, non, ce n'est pas la même chose, ça ne devrait pas être la même chose, évidemment. Par contre, les tendances sont similaires. Donc, si quelqu'un voulait faire des études, d'essayer d'évaluer, de monter son programme et de prendre des décisions sur son analyse à l'aide des données synthétiques, c'est possible.
On a fait aussi, c'est vraiment une régression très simpliste. Donc, on a l'emploi avec l'emploi de l'année précédente, la paye, l'âge de la compagnie, les industries. On n'a pas mis les coefficients d'industrie ici pour des raisons de confidentialité. Mais on peut voir ici que oui, les coefficients, la magnitude est différente. Par contre, le signe des coefficients, la direction est la même, ce qui permet encore une fois de pouvoir faire des décisions sur l'analyse à l'aide des données synthétiques. Quand je dis de faire des décisions sur l'analyse, ça ne veut pas dire ah, ça c'est mon résultat. Ça veut vraiment dire ça c'est corrélé de cette manière-là. On veut que les relations entre les variables soient maintenues dans la base de données synthétiques. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque de réidentification avec les bases de données synthétiques. C'est la ventilation par industrie va être limitée pour le fichier synthétique qui va être disponible dans les centres de recherche. Et l'utilisation du fichier principal, de vraies données, pour les résultats finaux, va permettre d'utiliser des données d'industrie géographique qui vont être plus détaillées, ainsi que des variables additionnelles du fichier plus grand T2 ou T2 PAL. Donc maintenant, le projet pilote. Donc, l'appel de proposition a été lancé. C'est un appel où on cherche des gens qui veulent faire de la recherche économique en utilisant les données du programme d'analyse longitudinale de l'emploi dans les centres de recherche. C'est évidemment des projets, comme je l'ai mentionné, qui se concentrent sur l'analyse multivariée. Donc, quelqu'un qui veut juste obtenir des tableaux agrégés, c'est peut-être pas le bon endroit à ce moment-là. Ça va être mené dans les centres de recherche dans la prochaine année fiscale, donc qui commence bientôt. Ça devrait commencer cet été, d'après moi. Il n'y aura aucun coût. Ça, c'est vraiment un gros avantage pour ceux d'entre vous qui ont déjà voulu venir dans notre centre de recherche. Il y a des coûts, tout comme dans les centres de recherche, qui peuvent être assez importants. Donc, pour les demandeurs, pour le projet pilote, pour tous les projets où le chercheur principal est affilié à un établissement du RCDR, RCCDR, à ce moment-là, le coût, il n'y a pas de coût. Si la proposition vient d'un autre demandeur, à ce moment-là, on peut évaluer les coûts. Ça va être par projet. Une autre chose qui est intéressante, le partenariat sur la productivité, on a le site Internet ici. Il y a du financement qui peut être possible, non seulement pour l'accès aux données, si c'est un chercheur où l'absence de coûts ne s'applique pas, ou encore s'il y a des déplacements à faire ou quoi que ce soit, je vous conseille d'aller visiter leur site Internet puis de rentrer en contact avec eux. Donc, qu'est-ce qui va être disponible pour le pilote? Comme on a dit, ça va être le T2 avec PAL. C'est une base de données au niveau de l'entreprise. Donc, quand on dit au niveau de l'entreprise, c'est vraiment, ça peut sembler simple, mais ça veut dire qu'on a l'entreprise complète. Donc, si on a une entreprise qui a quatre établissements, on ne verra pas les données spécifiques pour ces quatre établissements-là. On va voir les données au niveau vraiment de l'entreprise agrégée. Donc, c'est pour tous les employeurs constitués en société au Canada, dans le secteur privé. La manière qu'on exclut le secteur public, c'est en excluant les codes d'industrie 61, 62 et 91, ce qui est, je pense, santé, éducation, administration publique. Les thèmes de recherche pour lesquels cette base de données-là a déjà été utilisée, c'est la dynamique de l'emploi et des entreprises. Regardez les chiffres d'affaires des industries, d'affaires par industrie, la croissance, la productivité, établir quelles sont les entreprises à forte croissance, les facteurs. Et financement, survie et performance des entreprises. Maintenant, qui est admissible à ce pilote-là? On veut que le chercheur principal pour le pilote soit un membre ou un étudiant d'une faculté d'un établissement d'enseignement postsecondaire canadien et qu'il soit citoyen canadien ou résident permanent du Canada. Pour devenir un employé réputé de StatCan pour la durée du projet, tous les chercheurs doivent suivre une enquête de sécurité. Je crois que c'est la même chose dans les centres de recherche. En fait, là, c'est similaire. Nos processus sont similaires. Enquête de sécurité, donc une cote de fiabilité. On a besoin d'une lettre de reconnaissance de l'employeur ou de l'établissement scolaire. Et puis, les gens vont devoir prendre le serment de confidentialité et de secret de la loi sur la statistique pour dire qu'ils vont suivre les règles en termes de confidentialité, qu'ils comprennent tout ce que ça implique. Qu'est-ce qu'on veut dans la proposition de recherche? C'est assez standard, d'après moi. Justification de la recherche, le contexte, question de recherche, et la contribution du projet à la littérature. On veut bien connaître le cadre, analytique et la méthodologie proposée. Il est important de justifier, pourquoi l'utilisation des microdonnées est nécessaire. On ne va pas accepter, évidemment, des projets qui pourraient être utilisés avec des données agrégées déjà disponibles. Demander c'est quoi les besoins de données. Dans ce cas-ci, évidemment, c'est assez évident parce qu'on a seulement une base de données disponible. Les produits prévus, ce qu'on veut dire par là, c'est vraiment une description détaillée
Les totalisations. Je dirais plus des tabulations que totalisations aussi et des modèles de régression. On sait que ça peut changer en cours de route quand les gens font de l'analyse, mais on va avoir une idée de qu'est-ce que les gens veulent aller chercher à la fin avec ce projet-là. Comment est-ce qu'on va évaluer quelles propositions vont être prises pour le pilote? Donc, ça va être évalué par deux pairs du milieu universitaire et par Statistique Canada. Donc, ce n'est pas seulement Statistique Canada qui va faire l'évaluation du projet. On va évaluer les critères suivants, donc le mérite scientifique et la viabilité de la recherche proposée. Donc, il faut que ce soit faisable avec la base de données qui est offerte. La pertinence des méthodes à appliquer et des données PAL-T2 devant être analysées. Le besoin fondé, comme je l'ai dit précédemment, d'accéder aux microdonnées et l'expertise des chercheurs et leur capacité d'effectuer la recherche eux-mêmes, finalement. Donc, les propositions vont être acceptées, évaluées en continu jusqu'au 30 avril 2018, donc il y a encore un mois complet pour soumettre des propositions de recherche. Comment ça va fonctionner tout ça? Parce que là, je dis, on envoie des données synthétiques, mais je n'ai pas vraiment expliqué comment ça va fonctionner une fois que ça commence. Donc, les chercheurs qui vont être approuvés, dont le projet va être accepté, qui vont aller travailler dans les centres de recherche sur cette base de données-là, ils vont utiliser SAS ou Stata, c'est les deux logiciels qu'on offre en ce moment, avec les données synthétiques dans les centres de recherche. Les résultats des données synthétiques ne seront pas publiés. Donc, ce que vous obtenez à partir des données synthétiques, vous ne pouvez pas les sortir des centres de recherche. C'est vraiment là pour vous aider à bâtir votre analyse. Une fois les programmes terminés, l'analyse est plutôt complète. Les programmes, sans erreur, parce qu'on ne veut pas avoir à faire un aller-retour avec les chercheurs sans arrêt, vont être envoyés au CEDRE même, à Ottawa, par les analyses de CDR, pour être ensuite roulés sur les données réelles. Et c'est donc ces résultats-là qui vont être envoyés finalement du CEDRE jusqu'aux chercheurs, encore via le CDR. Qu'est-ce qu'on attend aussi des chercheurs? C'est un pilote, donc évidemment, un pilote, on veut savoir est-ce que ça fonctionne pour ensuite être capable d'ouvrir, d'en faire encore plus. Donc, on s'attend à ce que les gens qui viennent puissent avoir une ébauche d'articles de recherche d'ici le 31 mars 2019. Donc, ça, on n'attend pas un projet final ou complété, mais au moins une ébauche. Et puis, on vous aimerait aussi obtenir des commentaires par écrit sur la base de données. Sur la base de données, sur comment est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne bien de travailler avec les données synthétiques, est-ce que la documentation qui a été fournie était suffisante, est-ce que la coordination qui était entre le CEDRE et les CDR s'est bien effectuée. Donc, tout l'environnement de travail, on veut vraiment obtenir des commentaires sur tout le fonctionnement pour qu'on puisse, après ça, réévaluer et réajuster si nécessaire. Puis aussi, après ça va nous aider parce qu'on souhaite ouvrir. C'est vraiment, on commence avec cette base de données-là, mais on a déjà des projets pour les prochaines. Je pense que c'est tout. Donc, je fais ça assez rapidement. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on peut y aller maintenant. Aussi, j'aimerais mentionner que je suis prête à prendre toutes les questions que vous avez, non seulement sur le pilote, sur cette base de données-là, mais aussi sur l'accès aux autres bases de données qu'on a dans notre centre de recherche. Ça va me faire plaisir. Okay, bien, merci beaucoup, Lydia. On a maintenant une bonne demi-heure pour vos questions et les réponses, on espère. Alors, oui, Madame Vin, oui, Carole Vincent. Merci. Ben, félicitations à votre présentation. Oui? Juste me laisser dire aux gens qui nous écoutent en ligne, je vous invite à les écrire dans l'espace prévu à cet effet, puis je vais les lire pour vous. Merci. Vous avez mentionné que l'appel de proposition, c'est jusqu'au 30 avril. En avez-vous reçu beaucoup, des Pour propositions? l'instant, on a beaucoup de questions, on n'a pas beaucoup de propositions. C'est vrai? Oui. J'ai rarement vu les gens soumettre avant la date d'expérience. Je dirais, J'ai une autre petite question d'une autre nature. Est-ce qu'avec cette base de données-là, on pourrait… Bon, c'est des données sur les entreprises et leurs employés. Celle-là est agrégée, donc on n'a pas les données spécifiques sur chaque employé. C'est vraiment, on utilise les données des employés pour créer une mesure de l'emploi, si vous voulez. C'est vraiment les données sur les entreprises. OK. Donc, on ne pourrait pas, par exemple, s'intéresser à la question de savoir si ces entreprises-là génèrent beaucoup d'utilisateurs de l'assurance emploi. Oui. Je sais pas. Ou même des utilisateurs fréquents. Est-ce que c'est Pas le avec cette genre de… base de données-là, mais oui avec les autres qu'on a au centre de recherche. Ouais.
Parce que vraiment, celle-là est vraiment au niveau de l'entreprise. Donc, tout est agrégé pour avoir le au niveau de l'entreprise. Donc, pour l'entreprise, on va voir son nombre d'employés, le nombre total de rémunération totale. Donc, pas par employé, mais vraiment total pour l'entreprise, avec les données additionnelles du pôle, de T2, qui sont vraiment ce que les employés, les entreprises donnent à. C'est des données de Revenu Canada. Excusez, je me mêle en mon français et mon anglais. On peut avoir les profits, les ventes, les revenus. Toutes des choses comme ça qui s'ajoutent. On a d'autres bases de données au centre de recherche qui ont non seulement les données sur les entreprises, mais qui sont couplées avec les données sur les employés. Puis à ce moment-là, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent être faites. Mais pour le pilote, on est allé avec quelque chose d'un peu plus simple pour commencer. Ouais. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Benoît Dosti. Tu n'as pas présenté de transparent qui mentionnait les différences entre T2 PAL puis PAL. Donc, c'est quoi l'ensemble des variables qui sont disponibles dans T2 PAL? Donc, c'est quoi les variables additionnelles finalement qui ne sont pas dans le fichier synthétique? Oui. Je pense. Donc, ben, les variables de PAL même sont toutes là. C'est vraiment des ajouts qu'on fait à partir de T2. On n'a pas pris toutes les variables qui sont habituellement disponibles dans le T2. On est allé chercher celles qui avaient la meilleure qualité. Je m'en rappelle plus exactement par cœur, mais je crois que la documentation était ajoutée aussi avec le pilote dans l'appel de proposition. Mais c'est vraiment, étant donné que c'est les variables à plus grande qualité, on parle vraiment des variables qui sont à divulgation obligatoire, là, puis avec quelques variables additionnelles aussi du T2. Donc, comme j'ai dit, revenus, profits, les revenus, profits, ventes. Il y en a quand même quelques-unes, là. Je pense qu'on a une 15 à 20 variables additionnelles, là. Et est-ce que des plans de votre côté, parce que là, les chercheurs vont avoir accès seulement aux variables de PAL à travers le fichier synthétique, mais peuvent prévoir des analyses qui utilisent des variables du T2. Oui. Donc, ils ne pourront pas vraiment modéliser, faire des programmes. Ça va être difficile de faire des programmes sans erreur qui utilisent des variables qui ne sont pas disponibles. Mais on Okay. travaille à ajouter les variables du T2 pour que le Okay. pilote puisse avoir non seulement synthétique PAL, mais celle du T2 aussi. OK. Mais il n'y a pas de ETA pour cette banque, cette PAL plus. Non, mais c'est ça qu'on veut mettre dans les centres de recherche, là. C'est là, c'est notre but. C'est le but. Ouais. Oui, Jean Poirier. Donc, j'avais une petite question par rapport à la procédure d'accès. J'ai vu qu'il y avait une différence, par exemple, avec la procédure en place pour Oui. l'accès aux autres bases dans les centres. C'est une lettre de l'employeur. Oui, effectivement. Donc, comme on a dit, on veut que les chercheurs qui viennent, en fait, c'est pas seulement pour le pilote, c'est pour l'ensemble de nos projets qui viennent à notre centre de recherche. Pour tous les chercheurs qui viennent, on veut toujours avoir un CV. C'est vraiment pour Oui. évaluer les qualifications des chercheurs à mener à bien le projet. On demande toujours une lettre de l'employeur ou une lettre de l'établissement d'enseignement auquel ils sont affiliés, qui nous dit bien que oui, cette personne est affiliée à cet établissement et va se plier aux règles du contrat. Ah, OK, parce que je pense que ça n'existe pas dans la procédure pour l'accès aux autres données, à mon avis. C'est la procédure standard dans Donc, notre cas. j'essayais seulement de voir à quel niveau hiérarchique il faut aller. Toi qui as des projets, Benoît, est-ce que. Moi, j'ai fait signer une lettre au directeur de recherche. Ouais. Donc, ça a été recherche. Ouais, doyen, souvent. Alors, j'ai une question de Philippe Dastou qui nous Oui. écoute en ligne. Alors, merci Philippe, et il se demande, est-ce qu'on prévoit un projet similaire pour faciliter l'accès aux autres bases de données, par exemple la NALMF, NALF, oui, la NALF? notre acronyme préféré. Donc, on commence, c'est graduel. On a pris le PAL T2 parce que c'est une des bases de données les plus vieilles, là. Ça date des années 90. Donc, ça a été utilisé beaucoup. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites avec ça. Le but, comme j'ai dit, c'est vraiment un point de départ. On veut par la suite être capable de, une fois aussi qu'on a bien compris, les données synthétiques, qu'on a le feedback, les commentaires des utilisateurs, à savoir comment ça fonctionne bien pour qu'on puisse peaufiner la méthode aussi. Alors, à ce moment-là, on va aller vers d'autres bases de données. On commence avec celui-là, le deuxième, qui est déjà assez avancé, je vous dirais. Ça sera pas le NAMF qui a été mentionné. C'est l'enquête sur la croissance et le financement des petites et moyennes entreprises.
Donc, ça, c'est le suivant là, qui va probablement arriver après. Il y a une autre enquête aussi qu'on a en tête qui va probablement venir ensuite, mais après, ça va certainement, on espère aller encore plus loin, incluant le NAMF. Le NAMF en anglais, c'est le National Account Longitudinal Microfile. Je ne me rappelle pas exactement de la traduction exacte en français, je suis désolée. Ça ressemble un peu, en fait, au PAL T2. Ça inclut des données sur l'emploi, les données des T2, d'autres, mais il y a plus de données, les données sur la recherche et développement, par exemple, qui sont ajoutées aussi dans ce fichier-là. Là, c'est très complet, là, il y a 400 variables, je pense. Ces autres banques de données-là, ça va être sous forme de données synthétiques ou ça va être sous forme restreinte ou ça va pour être... l'instant, donc tout ce qui est administratif, c'est synthétique. Les fichiers d'enquête, il y a des manières qui ont été différentes, okay, qui ont été mises en place par la méthodologie en ce moment pour regarder ça. En anglais, on dit disclosure limited file. Donc, il y a un côté synthétique puis un côté de divulgation limitée, on pourrait dire. Ouais. C'est en progrès. J'ai peut-être moi-même une petite question concernant l'échéancier. Donc, vous mentionniez le fait que vous attendez une ébauche, à tout le moins, d'un article mars 2019. Pour l'étape suivante, donc pour les centres de données de recherche, on peut s'attendre à quoi? 6 mois plus tard, 1 an plus tard, avant que ça soit ouvert, disponible en tout temps sans passer par un projet pilote? Ça, c'est dur à dire parce que ça va dépendre de à quel point le pilote fonctionne bien. Si on le fait et que ça fonctionne vraiment pas bien, il va falloir réévaluer. Donc, mais on espère que ça va bien fonctionner. Puis de toute façon, je pense que le but et puis il y a vraiment un désir à Statistique Canada de faire en sorte que ça fonctionne. Là. On parle non seulement dans notre vision, mais dans toutes les sphères de Statistique Canada. Là, c'est vraiment quelque chose qui est important d'ouvrir l'accès aux bases de données. Donc, mais c'est dur d'avoir un échéancier à ce stade-ci. On vous reposera la question dans un an ou à peu près. Ça marche. Est-ce que vous avez une question dans la salle? Benoît? Moi, je voulais dire, c'est pas une question, mais le SIX s'offre pour avril 2019, avoir un workshop, un atelier qui rassemble tous les projets pilotes ou les chercheurs. Ah, c'est une discuter. Bonne idée. Ça peut se faire. Au lieu de faire ça à Ottawa, on pourrait faire ça. Non, mais c'est vrai, puis c'est vraiment une bonne idée de mettre tout le monde ensemble et d'avoir des commentaires, puis un peu un genre de brainstorming là, de tout ce qui a été possible de faire aussi, parce que des fois, quand on rencontre les autres, ça peut être intéressant. Ouais. C'est une bonne idée. Je prends ça en note. Merci. Alors, encore une fois, j'invite les gens qui nous écoutent en ligne. Vous pouvez, si jamais vous êtes en plein écran, peut-être réduire votre l'écran de sorte que vous allez voir votre panneau de contrôle pour pouvoir poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas. Et puis, moi, vu qu'on a, si je me trompe, le directeur du partenariat de productivité parmi nous, non? Un associé de recherche. Enfin, donc, un membre. T'as envoyé la question à ce moment-là, oui. Parce que tu parlais de financement possiblement disponible. Est-ce que tu as un petit peu plus de détails? Le partenariat sur la productivité, c'est vraiment un groupe. En fait, Benoît a probablement plus d'informations que moi sur comment ça fonctionne. Là. Je ne suis pas directeur. Là. C'est dirigé par Mike V. À McMaster, oui. Donc, moi, je suis co-quelque chose. Là. Sur le comité. mais tous les détails sont sur le site web. Là. Finalement, là, un peu comme le site web de CEDAR, toute la description, comment soumettre un projet. Puis là, votre projet, il n'y a pas de processus d'examen par les pairs proprement dit, là, mais ça va au comité scientifique du partenariat de productivité qui prend une décision à savoir si le projet finance les coûts d'accès ou les coûts de déplacement. Là. Ouais. Souvent aussi, la manière qu'on fonctionne, nous, on a un chercheur attitré ou un chercheur de liaison, si on veut, dans notre équipe avec le partenariat sur la productivité. Ça doit être aussi sur le site Internet. Donc, cette personne-là peut être contactée même avant de demander le financement, évidemment. Si quelqu'un a des questions sur les données, on a ce chercheur-là, nous, qui peut aider à bâtir la proposition, répondre aux questions pour que la proposition soit prête, puis répondre à nos exigences aussi avant d'être accepté pour le financement. Donc, on travaille vraiment en collaboration étroite avec... avec ce partenariat-là. Ouais. Puis en fait, vous êtes obligé de contacter StatCan avant parce que le partenariat acceptera aucun projet qui ne vient pas avec l'estimé des coûts de Statistique Canada. Merci. Patrice Duguay, IRSST.
Je voulais savoir, tu mentionnais que les données n'étaient pas disponibles au niveau des établissements, des entreprises. Quand on veut regarder par région pour le Québec, par exemple, une entreprise qui a des établissements dans plusieurs provinces, comment est-ce qu'il y a un découpage par province qui est possible? Ou... Dans cette base de données-là, on peut faire un découpage par province. Par contre, comme vous l'avez mentionné, si une entreprise est établie principalement au Québec et elle a des établissements dans d'autres provinces, ça va tout être agrégé ensemble. On ne peut pas le diviser, si vous voulez, dans cette base de données-là. Il y aurait comme des résultats qui seraient pour total du Canada, puis d'autres résultats par province quand c'est spécifique à une seule province, l'entreprise a seulement des établissements dans une seule province. Oui, on peut faire ça. C'est vraiment toujours complexe parce que c'est vraiment de la manière que les données proviennent de Revenu Canada. Les entreprises ont beaucoup de flexibilité, je dirais, dans la manière qu'ils peuvent remplir leur déclaration d'impôt. Ils ne sont pas obligés de tout remplir par province. C'est eux qui décident. Ça peut être un qui est rempli par province, un dans une province va remplir pour tout le monde. Ce qui fait que pour nous, à ce niveau-là, dans certains cas, c'est très difficile de désagréger l'information. C'est aussi la raison pour laquelle la plupart de nos bases de données sont toutes au niveau de l'entreprise parce qu'on est certain de la qualité à ce niveau-là. À ce moment-là, souvent, quand on a des gens qui veulent des requêtes pour faire des études au niveau provincial ou encore à l'aide d'établissements, on met toujours ou des tableaux agrégés avec ces données-là. Il faut toujours mettre une note pour expliquer bien les limitations. Donc, si on dit entreprises au Québec, on va dire ça, c'est toutes les entreprises principalement au Québec, mais certaines qui sont les plus larges peuvent inclure l'information qui a été générée à partir ou des revenus qui sont générés dans d'autres provinces. Ça, c'est vraiment quand on inclut toutes les grandes entreprises. Il faut penser que les grandes entreprises ou les entreprises qu'on peut appeler complexes ou à multi-établissements au Canada, c'est vraiment moins de 10% de la population des entreprises. Ouais. Donc, il y a aussi des possibilités de seulement regarder ce qu'on appelle, nous, les simples, uniques. Évidemment, à ce moment-là, on exclut. Ils n'en sont pas beaucoup, les complexes, mais ils ont une très grande proportion d'activité économique. Très grande proportion des travailleurs aussi. Exactement. On a une autre base de données qui n'est pas disponible dans le pilote, qui est disponible dans notre centre de recherche, qui a un niveau d'établissement. C'est l'enquête sur les manufactures. Pour l'instant, la dernière année, par contre, qui est disponible, c'est 2012. Mais celle-là, parce que c'est vraiment une enquête qui avait été faite au niveau des établissements qui avaient des activités dans la fabrication, ça, c'est vraiment au niveau de l'établissement. Puis est-ce que, comme vous passez aussi, vous faites le lien avec le registre des entreprises qui, eux, identifient les établissements, est-ce que c'est quand même possible de savoir pour les, je sais pas, dans un secteur d'activité économique, pour les entreprises qu'on a de l'information pour la province, combien d'entreprises dans ce secteur-là ont des établissements dans cette province-là, mais qui sont déclarés au total, par exemple, dans une autre, au total Canada ou dans une autre province, là, souvent, au siège social ou autre? Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on peut identifier les entreprises qui sont, on appelle multi-provinces ou multi-établissements. Donc, il y a déjà des indicateurs qui sont créés par le registre des entreprises pour ces entreprises-là. On peut aller plus complexe puis dériver le nombre d'établissements, mais ça prend un développement additionnel à ce moment-là. Il y a des projets, pas avec T2 Pâle, mais avec le NAMF qu'on parlait tantôt, encore une fois, mon acronyme préféré. Mais celui-là est au niveau de l'entreprise, puis on a des discussions, c'est vraiment préliminaire, donc je ne m'engage à rien, mais on a des discussions pour essayer de faire une allocation à des niveaux plus désagrégés. OK. Ouais. J'aurais une deuxième question, c'est par rapport, c'est centré surtout sur les entreprises, pas sur les travailleurs. Mais dans les travailleurs, est-ce qu'il y a moyen de distinguer les salariés des autres catégories de travailleurs? Ou c'est de façon globale un nombre de travailleurs qui est... C'est global, un nombre de travailleurs. Okay. Ouais. Puis est-ce que vous savez s'il y a un référentiel commun? C'est-à-dire, est-ce que c'est le nombre de travailleurs au 31 décembre de l'année, le nombre moyen de travailleurs durant l'année? C'est le nombre de travailleurs dans l'année calendrier. Le nombre de travailleurs dans l'année calendrier? Oui, de janvier à décembre. Donc, c'est vraiment, le nombre de travailleurs est vraiment bâti à partir des T4. Donc, si vous et moi, on travaillait dans la même entreprise, on aurait deux T4. Oui. Okay. Et c'est un peu plus complexe. Il y a différentes mesures de l'emploi aussi qu'on crée à partir de ça, parce qu'on peut penser, oui, je peux avoir 15 T4, mais c'est peut-être parce que j'ai 15 employés à temps partiel. Puis, donc, il y a différentes manières aussi. C'est pour ça qu'on utilise le CEF, en fait, dans la base de données Pâle. C'est utilisé pour obtenir le revenu moyen dans une industrie géographique. Et puis, on peut, à ce moment-là, faire certains calculs avec les T4 pour essayer de prendre en compte c'est quoi le revenu moyen. Puis, si lui, il a gagné tant, mais il vaut peut-être 0,2 d'un employé dans cette industrie géographique-là. On peut faire des mesures d'emploi
C'est un peu la base d'heures travaillées. Oui, on n'a pas les heures travaillées, par contre, mais on peut faire une sorte d'ajustement, si vous voulez. Oui, exact. C'est pour ça que l'emploi qui est là-dedans, on appelle ça, en français, je ne sais pas si on l'a, là, mais c'est un « average labor unit okay. ». Parce que c'est… Merci beaucoup. On a d'autres mesures dans d'autres bases de données aussi. On peut compter les T4 juste en mesure de vraiment un headcount en bon français. Là. Oui. Mais encore une fois, quand il y a des temps partiels où on ne peut pas savoir à l'aide d'un T4 si la personne a travaillé seulement de janvier à février, puis elle a imparti, puis c'est peut-être pas représentatif. On n'a pas vraiment cette information-là. On a aussi une autre mesure qui est faite à partir de les PD7, que ça, c'est un autre document qui provient de Revenu Canada, qui est rempli par les compagnies de manière mensuelle. Donc, on a vraiment un nombre d'employés, nombre de têtes par mois. Puis à ce moment-là, on peut faire une moyenne mensuelle. On ne fait pas la somme, évidemment, mais ça nous donne un indicateur. Puis on a les données vraiment mensuelles, donc on peut voir l'évolution dans l'année aussi. Parce que, comme vous disiez, c'était lié entre autres à l'ERH, qui est justement une enquête mensuelle. Est-ce qu'à partir de tout ça, il y a le lien que vous faites avec l'entreprise, est-ce que ça ne permet pas de préciser un peu le nombre, mettons, une base mensuelle versus le nombre annuel? Non, dans ce cas-ci, non, pas pour celui-là. Pas pour ça. Non. C'est vraiment, on a la population complète ici. Hein. L'enquête, c'est vraiment pour nous donner une idée pour ajuster l'emploi, mais ça ne va pas plus loin. En termes de qualité aussi, je ne pense pas que ça pourra aller plus loin. Merci beaucoup. Pas de problème. Alors, il n'y a pas d'autres questions dans la salle. Je n'en vois pas à l'écran des gens qui nous écoutent en ligne non plus. Alors, merci. Je vais vous remercier donc pour cette excellente et fort prometteuse pour nous tous présentation avec des nouvelles données sur les entreprises. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, vous allez trouver l'appel de proposition qui a été rendu public au début du mois de mars sur notre site web, sur la page d'accueil de notre site web, vous allez voir. Et puis, ça fait un lien avec l'appel de proposition. Si jamais vous vous précipitez sur notre site web, ce n'est pas la première nouvelle parce qu'on a un autre projet pilote en cours, un autre appel de proposition pour un projet pilote concernant le personnel d'enseignement dans les universités et les collèges. Donc, ce n'est pas celui-là, mais si vous descendez un petit peu, la nouvelle, c'est juste la troisième nouvelle. Donc, vous allez avoir tous les détails. Prochain rendez-vous webinaire en anglais cette fois-ci, le 23 avril. On va parler de l'impact des espaces verts sur la santé en milieu urbain. J'aimerais aussi en profiter pour souligner que la conférence annuelle du réseau aura lieu le 18 et 19 octobre prochain à Hamilton. L'appel de proposition devrait être rendu public sous peu. Donc, je vous invite à soumettre vos propositions si ça vous tente de vous joindre à nous à Hamilton. Et finalement, j'aimerais aussi mentionner l'école d'été du CQSS. Il y a plusieurs modules très intéressants. Ça commence en avril, mai, juin. Donc, tous les détails sont disponibles sur le site du CQSS. Alors, voilà donc ce qui conclut cette présentation webinaire. Merci encore mille fois, Lydia. En avril prochain, on fera un retour sur l'expérience. On s'en parle. Parfait. Alors, merci beaucoup aux gens qui sont joints en personne et en ligne. À bientôt.